La X-Seed est équipée d'un écran tactile de 10,25 pouces partagé en trois images. La carte, les radiomédias et la météo. Deux autres pages sont disponibles. La position de ces trois images peut être modifiée selon vos préférences. Plaçons par exemple la carte de navigation à droite. Puis Radio Média au milieu. Et enfin, retournons à la position initiale. Touchez la mini-carte ou la touche Map pour afficher la carte en plein écran. En touchant successivement le bouton Boussole, trois modes d'affichage de la carte sont possibles. En touchant moins ou plus, vous pourrez régler le son du guidage. Le guidage se fera à ce volume. Touchez le bouton HP pour couper le son du guidage. Cochez pour rendre le son de la navigation prioritaire. Le zoom de la carte peut être automatique ou manuel. Accès au menu rapide de la navigation. Nous survolerons ce menu. Une vidéo sur la navigation pourrait être réalisée ultérieurement. L'écran radio-média. Utilisation d'un smartphone Android en Bluetooth. L'écran météo. La touche nav. Le menu Kia Live.
et le service qu'il y a. La navigation guidée commence. Prononcez une commande. Arrêtez la navigation. Arrêtez le guidage. Alors, utilisation de la fenêtre auxiliaire. Le réglage de cette fenêtre auxiliaire pourra se faire par un autre menu situé donc dans le setup. La touche étoile, je l'ai affectée au téléphone. La touche radio. Le réglage du volume peut se faire par ce bouton ou directement au volant. Extrait qui date d'un ancien DVD, mais l'idée c'est d'être au plus près de la personne filmée, même si elle est déclassée socialement, et de lui donner autant de valeur technique que si c'était un grand acteur. Alors vous disiez, Raymond Depardon est un cinéaste de la parole et... J'ai volontairement déformé la musique de la radio pour éviter les ennuis de respect de droits d'auteur de YouTube. Bon, une vidéo pourra être également réalisée sur la radio. Venez nous rencontrer, visitez nos ateliers ou même participer à la fabrication de vos menuiseries. Alors, l'arrêt de la radio par appui sur le bouton de gauche. La touche média. Donc accès à mon smartphone. No pierdas detalle esta interesantísima prueba y como siempre ya sabes que puedes tasar tu antiguo vehículo en nuestra caja de descripción. La última variante de la gama Z de la marca coreana Kia en llegar al mercado ha recibido la denominación XZ y se lanzaba el pasado septiembre. En Kia lo definen como un crossover utility vehicle y han acuñado el acrónimo CUV. Así, el XZ... Le menu setup.
L'affichage des panneaux sur le combiné. Je n'ai pas testé cette option, je vous laisse le soin de le faire. Cette option a déjà fait l'objet d'une de mes vidéos.
l'animation sonore du combiné peut être retirée. Un blague vu à maintenant s'éteindre.